Mic on. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est mon tout premier stream. Alors, merci à Ju pour le sub. Enfin, pour le follow plutôt. C'est mon tout premier stream. Donc, pour commencer, bah, je vous propose d'aller faire du Subnautica. Voilà. Donc, on va lancer le jeu tranquillement. Donc bon, la webcam c'est pas encore ça qui est ça, mais c'est normal, c'est avec mon téléphone, donc c'est pas terrible terrible. Donc du coup, on va lancer le jeu. Donc voilà, hein, c'est pas une découverte ou quoi, j'ai déjà 28 heures de jeu, mais voilà, c'est pour un petit peu présenter ce jeu, parce que je trouve qu'il a pas assez de... On n'en parle pas assez alors que c'est bien mieux que beaucoup d'autres. Donc voilà, je dirais pourquoi au fur et à mesure quoi, mais voilà. Donc là bon, écran de chargement. Donc comme tous les trucs survival, open world, tout ça, ça met un certain temps à charger tous les éléments. Donc ce qu'on voit là sur l'écran de chargement, le vaisseau là, c'est justement le pitch du jeu. C'est on était dans un gros vaisseau et on s'est écrasé sur une planète. Et avec ce qu'on trouve qui était dans le gros vaisseau, on doit essayer de s'enfuir de cette planète. C'est un petit peu un seul au monde du futur, quoi. Stillsuit equipped and Voilà. capturing body moisture to Donc chemically là. neutralize residual odors in bodily fluids before re-ingestion. Please press the activation button in the next On 3 entend la seconds. voix de la dame. Emergency power you have only. chosen not to activate chemical Oxygen tape production. Mais elle va me laisser en placer une app. Thank you and have Euh, a nice donc, day. euh, donc là, le chargement est bientôt fini. C'est juste les sons du jeu qui commencent à se lancer avant l'image. Donc, non, toujours pas. Ok, voilà. Donc là, effectivement, ce que ça racontait, c'est la distille, machin, là, c'est ma combinaison. Donc vu que je suis à la fin du jeu, j'ai carrément un truc complètement craqué, c'est-à-dire une combinaison qui récupère l'eau que je produis et qui la distille, d'où le nom. Donc voilà, c'est de l'eau comme ça, et du coup à chaque fois que je recharge le jeu, il me rebalance la petite vanne du filtre sur les odeurs corporelles qu'il faut ou pas activer, et vu que t'as rien dit, bah il est pas activé. Lol. Voilà. Donc ça c'est mon sous-marin. Donc celui-là c'est le deuxième qu'on a dans le jeu. Donc c'est le deuxième meilleur véhicule du coup. Parce qu'il y en a trois. Donc ce que j'allais faire avant de sauvegarder, que je me rappelle, ah oui, donc j'avais chargé les batteries, j'avais mis des leurres, parce que j'allais aller dans la dernière grotte, on va dire, enfin je pense, puisqu'il me manque un seul composant pour crafter des trucs, et il a l'air de se situer dans cette grotte-là. Donc du coup on va aller, bon, on va faire un petit tour de la base quand même d'abord. On va présenter un petit peu le jeu quand même avant de vous montrer. Il n'y aura pas la fin, hein. Je vais pas être insolent à ce point, je sais pas vous spoiler la fin du jeu et le premier stream, ce serait pas gentil. Voilà, donc ça c'est le Simoth à la base. Donc moi je leur ai donné des noms. Je crois que le gros je l'ai appelé le Nautilus, c'est celui-là le Nautilo. Voilà, je ne savais pas comment les appeler, mais. Donc, ça c'est le Simoth, c'est le premier véhicule qu'on débloque, c'est un tout petit sous-marin. Donc, ça ce qu'on voit c'est des améliorations. Parce qu'au départ il peut aller qu'à 200 mètres de profondeur et on y arrive vite. Mais avec les améliorations il descend jusqu'à 900 mètres, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, là on voit 200 mètres de profondeur max et. Si je mets l'amélioration de 900 mètres. Voilà. Donc en fait là, le but du jeu, c'est un peu ça en fait. C'est de pouvoir aller le plus profond possible pour récupérer de plus en plus de matériel pour pouvoir
s'échapper de cette planète et retourner à la civilisation. Sachant que, bah, en fait, pour pouvoir aller de plus en plus profond, il va falloir craft des équipements de plus en plus avancés. Et en fait, ben, pour craft ça, il faut des matériaux de plus en plus avancés qu'on trouve de plus en plus profond. Enfin voilà, la progression se fait en allant de plus en plus profond. Mais alors du coup, ce que je disais, c'est que je trouve que ce jeu est pas assez connu. Enfin voilà, ça reste quand même pas le jeu de l'année. Alors que, en fait, bah, c'est beaucoup moins frustrant que les autres jeux de ce style. La plupart des survival sont très relous parce qu'il y a des phases de farm qui durent des heures. Je pense à celui auquel je le plus joué, c'est Ark. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc, on se retrouve en slip sur une île avec des dinosaures et on peut soit les dresser, soit les tuer pour les manger et tout ça. Et en fait, ce jeu là, c'est vraiment où on passe son temps à farm pour construire, farm pour survivre, puisque en fait tout ce qui est consommable requiert un temps de farm conséquent, quoi. Juste pour bouffer déjà à chaque session, c'est un quart d'heure de perdu. Alors que dans Subnautica, et ben en fait, là on vient de le voir, j'ai pas expliqué, mais on peut carrément craft des petits aquariums où on met un couple de poissons et ils se reproduisent, et voilà. Vous avez votre source de nourriture, donc c'est pas dès le début du jeu, mais c'est pas très très loin non plus, quoi. Et du coup, bah, y a pas ce côté je me reconnecte, donc je dois farm pendant des heures pour bouffer ou des choses comme ça. Pareil, les petites plantes là, c'est des matériaux de craft que j'ai dû aller chercher assez loin dans le sol, mais qui, une fois que je les ai eus, bah, j'ai pas besoin d'aller retourner en chercher puisque je peux les faire pousser, quoi. Et sans aucune intervention de ma part, quoi, parce que dans Ark pareil, il y a système de faire pousser de la bouffe, mais sauf que il faut fertiliser, mettre de l'eau et tout, enfin bref, c'est, on déplace le farm mais on farm toujours, quoi. Que là tout se fait tout seul. Donc là j'ai un réacteur nucléaire, donc je regardais un peu parce que comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, donc là, ah ouais, non. Mais tout en haut, c'est marqué puissance et il y a un nombre. C'est la puissance électrique de ma base. Et en fait, cette puissance électrique là, actuellement, je la génère grâce à mon bioréacteur. Donc, qui est là, c'est en gros un réacteur où dedans on met des trucs organiques, quoi. Donc voilà, un bioréacteur. Et ça produit l'électricité. Donc, faut penser à remettre des choses régulièrement. J'ai aussi des panneaux solaires, mais ça en produit pas assez pour être viable dans les bases pour la fin du jeu. Pour le endgame, c'est un peu faible. Et donc du coup, j'ai créé un réacteur nucléaire il y a pas longtemps, et j'ai pas l'impression qu'en fait ce soit lui qui produise. Faudrait peut-être que je démonte le bioréacteur pour que ce soit lui qui prenne le relais, mais bon bref. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer à quoi ça ressemble une base. Donc là, on a un truc pour filtrer l'eau. Parce que pareil, du coup, on a les trois jauges en bas là, donc on a les PV. Donc ça, bon, on les remonte en faisant des kits de soins, la nourriture, enfin la faim et la soif. Et en gros, pareil, l'eau au début c'est assez compliqué. Il faut un champignon qui nous permet de faire de la javel, je crois. Alors j'espère que c'est une mauvaise traduction, parce que si le mec boit de la javel, voilà, hein, on va pas s'inquiéter longtemps pour sa santé. Et donc du coup, avec ça on fait de l'eau purifiée. Là en fait, bah du coup, j'ai carrément un purificateur d'eau qu'on fait en continu en échange d'électricité. Donc voilà, pareil, tous les objets que j'ai, par exemple là j'ai une lampe, ça c'est pour construire des parties de la base. Tout ça, ça fonctionne avec des piles qu'on doit au départ recraft à chaque fois, donc pas très longtemps, puisqu'on a rapidement le chargeur de piles qui permet de charger les piles en échange d'électricité. Bref, la seule ressource qui est difficile à obtenir, c'est l'électricité. Enfin, qui est difficile, qui nécessite de faire quelque chose au départ, c'est l'électricité. Et très rapidement, voilà, avec les panneaux solaires, si on a une base proche de la surface, on peut avoir une base rudimentaire sans avoir de problème. Après,
on a le bioréacteur qui permet quand même, hein, c'est pas. Y a pas besoin de le recharger tout le temps, qui permet d'avoir une base assez conséquente encore. Et ainsi de suite en fait. C'est vraiment. On progresse par palier. Alors, du coup, c'est beaucoup. Enfin, c'est pas frustrant, on n'a pas l'impression d'être bloqué tout le temps. Il est vraiment bien ce jeu pour ça. Autre chose, je disais, il n'y avait pas beaucoup de farm. Il y en a quand même, hein, pour craft des choses. Mais alors en fait, il est rendu beaucoup moins frustrant par ça aussi. Alors ça, c'est une des salles qu'on acquiert assez rapidement dans le jeu en fait. Hein. Finalement, tout ce qui est pratique, on l'a assez tôt. Et après, c'est vraiment le. On doit explorer pour débloquer des boîtes de données, des choses comme ça, qui permettent de débloquer des plans pour d'autres choses à construire et qui permettent, elles, d'aller un peu plus profond, de produire un peu plus d'énergie pour pouvoir recharger des choses, etc. Et donc ça, c'est la salle des scanners. Ça permet en fait de choisir une ressource. Par exemple, si j'ai besoin, bon là, j'ai pas beaucoup de ressources à la. Je sais pas pourquoi le nombre de ressources qui s'affichent varie. Des fois, il y en a la dose, des fois, il n'y en a pas beaucoup. Donc si j'ai besoin de sel, par exemple, voilà. Ça numérise, donc ça scanne, j'imagine. Et voilà, donc là on voit directement sur le HUD parce que j'ai une petite amélioration qui me permet de le voir directement. Sinon, ce serait uniquement dans la salle de scanner. Je devrais prendre, voilà, une des caméras, aller à côté de la ressource. Voilà, par exemple, ce dépôt de celle-là, me mettre à côté. Et ensuite, la caméra, elle, par contre, je la vois directement depuis le début sur mon HUD, donc j'aurais pu la prendre et. Donc là, voilà, j'ai été chopé par ça, là. Donc ça, c'est des rôdeurs, c'est des petits. Enfin, des petits. Des plutôt gros poissons, et en fait, ils s'amusent à bouffer les trucs métalliques. Donc il y a des débris de l'explosion du vaisseau un peu partout sur la planète, et en fait les rôdeurs ils jouent avec et tout ça ils se promènent avec. Du coup voilà, donc tiens, il y a un trou dans ma base, qu'est-ce que c'est que cette merde? On va réparer ça parce que bon. On est quand même censé être sous l'eau. Voilà. Donc. Alors, ouais, là, ceux-là, je sais pas comment on les appelle, mais ils se planquent dans le sable et dès qu'on se rapproche, ils nous bouffent. Voilà, donc les rôdeurs, ils sont pas forcément très méchants, mais si on s'approche un peu, on se fait bouffer. Alors du coup là, je me défends avec un couteau. Ah, c'est parce qu'en fait dans le jeu y a pas beaucoup d'armes et elles sont pas forcément utiles. Enfin c'est. Il y a assez peu d'intérêt à les faire finalement. Donc là voilà, ça c'est un truc vraiment que je trouve fou. C'est les interfaces comme ça où on est directement. Il n'y a pas de menu pour ouvrir les lumières quoi, c'est vraiment hop on clique. En regardant avec la souris, là c'est pareil pour changer le nom, les couleurs. C'est vraiment bon là, ça ouvre un petit menu quand même parce qu'il y a un curseur et tout ça, mais sinon il y a beaucoup de choses comme ça. Bah, quand on le pilote par exemple, voilà, pour allumer le moteur, on regarde ici, on clique pour activer les caméras, le mode silencieux, les leurres. Donc les leurres, c'est bah voilà, c'est ce que c'est qu'un leurre parce qu'il y a des bébêtes qui sont assez grosse pour s'attaquer à un sous-marin de cette taille, et donc celle-là, on n'a pas envie qu'elle nous suive, donc on peut lâcher un leurre pour bah, pas se faire bouffer quoi. Sinon voilà, bon bah un sonar dans un sous-marin c'est pas surprenant, et ça c'est le bouclier, donc on va éviter de les activer direct parce que ça bouffe beaucoup de d'énergie. Et pareil le sous-marin
une quantité d'énergie limitée, sauf que là en fait c'est plus les petites piles qu'on a vues tout à l'heure, c'était les grosses batteries à côté. Bon, c'est un peu le même principe, mais du coup il y en a 6, donc pour les recharger c'est quand même beaucoup plus long. Donc voilà, donc là on va aller jusqu'à la grotte, donc il y en a pour 800 mètres. Du coup, en attendant, oui, du coup, je peux vous expliquer ce que je vais chercher dans la grotte. Donc en fait, là, du coup, il y a beaucoup. J'ai débloqué quasiment tout, j'ai l'impression, dans le jeu. Et toutes les ressources, je les ai croisées. Alors, il y en a que j'ai voilà, je sais même plus quoi en faire. Il y en a que j'ai juste vu quelques fois, mais je sais à peu près où aller pour en revoir. Sauf une. Il y a un seul truc que j'ai pas revu. Alors, je me souviens plus exactement du nom. Je sais que c'est un truc bleu. Donc, je regarde beaucoup le sonar, mais c'est parce que, voilà, du coup, je sais que... Là, je vais me faire attaquer, donc je peux mettre le bouclier quelques secondes. Pour éviter de me faire bouffer. Elle est où la valise? Elle est là, à 400 mètres en dessous. J'ai dû la mettre déjà dans la... plus ou moins dans la grotte, ou à l'entrée de la grotte. Donc l'entrée de la grotte, elle doit être autour d'ici, mais... Je dirais bien que c'est ici. Ah, donc on descend. Ah, donc là on est à 200... Ouais, on est à 300 mètres de profondeur bientôt. De batterie, ça part 4% par 4%, donc ça a l'air d'être plus par là l'entrée de la grotte. Alors oui, ça, le petit truc là, c'est une balise, hein, c'est moi qui l'ai posé. En fait, on peut construire des balises qui restent à cet endroit là et ensuite on peut les récupérer quand on veut, quoi, ou les laisser là. Donc moi, bah, du coup je l'ai posé pour retourner à la grotte, puisque je suis venu avec le plus petit là, le Simoth. Et ah, ça a l'air d'être par là. Je suis venu avec le Simoth, mais très vite j'ai été un peu bloqué par la profondeur, parce que là on est déjà à 550 et ça va aller très très vite dans cette grotte là. Et donc oui, le truc que je venais chercher ici, donc en fait je venais chercher du... Ça s'appelle le truc bleu. Attendez. On va regarder. Voilà, du Disten, là, l'espèce de pierre bleue. Et c'est pour pouvoir faire les dernières améliorations pour ce sous-marin là. Et la combinaison de plongée. Qui est le véhicule qui va le plus profond dans le jeu. Ah, ça rame un peu.
Donc voilà, du coup, on est déjà à quasiment 700 mètres de profondeur. Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Je pense que j'avais agrippé un truc. On va éteindre les projecteurs parce que là, finalement, on y va mieux sans. Le point rouge qui est la bestiole qui voulait nous manger, qui a... Ah, ça a l'air d'être ici ce que je voulais. Le moteur, parce qu'on est plus qu'à 58%, donc j'ai assez de matos dans le sous-marin pour faire l'amélioration que je suis venu chercher, on va dire, en première, qui est en fait, au fur et à mesure, comme je disais, le problème, c'est-à-dire l'énergie, et très rapidement on chope des améliorations qui permettent d'être de plus en plus indépendant de la base. Par exemple, avec le petit sous-marin, j'ai chargeur solaire, donc ce qui fait que si je reviens assez rapidement à la surface, enfin assez souvent à la surface avec le petit sous-marin, potentiellement j'ai même pas besoin de le recharger à la base, jamais quoi. Donc c'est plutôt cool. Et là, ce que je veux, c'est la même chose pour le cyclope, donc le gros. Grosse main, sauf que c'est pas solaire, c'est à la chaleur. Comme là on est dans un cratère rempli de lave, je pense que niveau chaleur on devrait être pas trop mal. Donc on boit, on se remet un peu de vie et d'eau. Voilà. Donc le fabricateur. C'est pas dans le fabricateur ce que je veux faire. C'est là-haut. Dans le fabricateur pour le cyclope. Ah, larve de lave, qu'est-ce que c'est que ça?
mais peut détecter l'énergie thermale et électrique de son environnement. Ok, donc ça a l'air de... l'air de puiser dans les batteries. Ok, donc j'espère que ça va pas nous mettre en panne ici. Il me faut deux polyanines et un kit de câblage. Donc le kit de câblage, je pense que j'ai ce qu'il faut. C'est... il faut du minerai d'argent. Donc je devrais en avoir, je dois en avoir dans le coin. Hop, voilà. Hop, tac. Par contre, la poly... machin là, polyaniline, il faut de l'or et des champis abyssaux. Je suis pas sûr d'avoir ça dans le sous-marin, donc il va peut-être falloir faire demi-tour pour crafter ça. Ouais. On va regarder un peu de... il nous reste 54% de batterie. Donc je pense qu'on va... hop, prendre le premier. Tu vas aller faire un peu plus de... des minerais bleus s'il y en a dans le coin. Celui-là il vole, c'est particulier, mais pourquoi pas. Voilà, donc on va récupérer ces deux trucs là et ensuite on va faire demi-tour pour aller fabriquer ce dont on a besoin. Parce que là je suis à 1000, quasiment 1200. Mais ma limite avec la combi c'est 1300, je crois qu'avec le sous-marin c'est pareil, donc potentiellement je suis pas sûr de pouvoir aller tout en bas quoi, mais voilà, on est allé chercher le minerai dont on avait besoin. Oula. Oui. Je vais éviter de toucher directement la lave. C'est pas... on se remet dans le vaisseau. Ok, donc alors
Donc quand on fera avec la combinaison là, on le récupère directement dans le coffre qu'il y a à l'arrière là. On le voit là. Donc du coup, après je peux le récupérer depuis l'écran de contrôle ici. Et donc voilà, bon, le reste c'est du titane. Le titane c'est vraiment le matériau de base. J'en ai plein les coffres, je sais plus quoi en faire ou presque. Donc on va le ranger là-dedans. Donc on va aller à la base chercher des... des ressources. Ouais, donc là j'ai déjà perdu 6% alors que le moteur est éteint. Donc je vais regarder vite fait, c'est les larves de lave là, comment je peux les enlever sans débarrasser pour économiser l'énergie, d'accord. Mais je fais comment? Bon, j'imagine qu'avec le couteau ça devrait le faire. Ah bah oui, mais là, mais non, c'est vrai que sortir que juste à côté il y a de la lave, peut-être il fait un peu trop chaud. On va mettre le sonar pour sortir, éviter de se bouffer tous les murs. C'est pas malin parce que quoi, vu que j'ai une sangsue qui me bouffe mon machin, avec le sonar ça prend beaucoup d'énergie, ça va être compliqué. Alors, hop, voilà, on est en train de remonter, donc on va repartir vers la balise, et puis voilà. Bah en attendant le temps que je revienne jusqu'à la base et tout ça, on va faire une pause sur le stream, ça fait déjà une demi-heure, hein, on peut se dire. C'est une petite pause. Et puis voilà. Donc ouais, je pense faire une pause 5 minutes. Donc voilà. Donc à tout de suite. Mic off. Thank you.
Mic on. Et re. Alors, où en étions-nous? Ah putain, j'ai laissé le moteur allumé, donc je n'ai plus que 30% de batterie. Et j'ai une grosse sangsue sur la gorge. Donc je vais aller l'enlever. Hop. Donc ouais, la sangsue, hein, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça bouffe l'énergie du vaisseau apparemment. Oh oui, d'accord, ok. Donc c'est le buffet à volonté. Hop, donc voilà. Donc, là, comme souvent dans le jeu, un petit coup de couteau règle tous les problèmes. Hop. Il n'y en a plus de ce côté-là, il y en a... Oh, putain. C'est un truc de fou. C'est... Ok, bon, je crois que c'est bon. Alors si je dois descendre à chaque fois pour tuer toutes les sangsues et que je vais chercher des trucs dans la lave, sachant que... potentiellement la fin du jeu se trouve dans la lave, je vais pas être... ça va pas être relou quoi. Non ouais, on avait... c'était dit, les projecteurs, ça sert à rien dans cet endroit là, on y voit bien. Alors on va sortir de la super super grotte pour aller craft justement de quoi récupérer de l'énergie pour le cyclope, donc ce sous-marin là, quand il y a des sources de chaleur. Alors bon, là tout à l'heure on a vu, c'était obvious, il y avait de la lave, mais sinon il y a aussi des moments, des petits volcans sous-marins et tout ça, bon, bah, comme ceux-là, qui du coup permettent de recharger, j'imagine, le vaisseau. Donc je l'ai pas encore eu, donc je suis... des fois c'est un peu de la supposition, mais j'imagine qu'on recharge aussi bien là-dessus. De toute façon, on verra bien. Par contre, 28%, je sais pas si je vais avoir de quoi rentrer jusqu'à ma base. Donc, si je suis en panne sur le chemin, c'est pas bien grave, parce que j'ai assez d'équipement maintenant pour... pour revenir à la base plutôt tranquillement, parce qu'au départ par exemple on n'a pas beaucoup d'oxygène dans le jeu. Je crois que c'est 45 secondes, sachant que quand on descend sous la barre des 100 mètres et des 200 mètres, ça descend plus vite. Donc bah, du coup les 45 secondes deviennent genre 15 secondes. Mais on peut craft des bonbonnes d'air et tout ça, et donc moi j'en ai craft, hein, puisque comme je disais tout à l'heure, je suis quasiment à la fin du jeu et donc j'ai la meilleure bonbonne. Donc à la limite, si on tombait en panne, j'aurais pu revenir à la nage avec la bouée à hélice. Ouais, y a un autre truc, alors j'ai pas présenté ça parce que c'est pas vraiment un véhicule, mais c'est une espèce de bouée avec une hélice qui permet, bah, au départ d'aller un peu plus vite que la nage classique, et ça fonctionne à pile, sauf que du coup, étant donné que fin du jeu et que, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment le jeu où on est de plus en plus autonome par rapport aux farms et aux sources d'énergie, bah, j'ai des palmes qui rechargent l'objet que j'ai en main, enfin si c'est un objet à pile, qui recharge l'objet que j'ai en main quand je me déplace. Sauf que étant donné que la bouée me permet de me déplacer, bah, du coup je la recharge pendant que je me déplace, je la recharge plus vite que ce qu'elle s'utilise, donc je peux même potentiellement recharger mes piles avec cette bouée là. Donc j'aurais pu rentrer comme ça, mais c'est bon, 26%, on n'est plus qu'à 400 et quelques mètres, donc ça va le faire. Ok, donc là on aperçoit une capsule de survie. Donc c'est pareil, hein, nous on arrive dans une comme ça, mais sauf que la nôtre elle est pas explosée et qu'elle flotte à la surface,
Elle est là, là, sur le HUD, on la voit à 300 mètres. Et au départ, on a que ça, donc vraiment, c'est un fabricateur là qui permet de craft les objets, et puis c'est tout, quoi. Donc vraiment, on est plutôt mal parti, hein. Mais voilà, on arrive à choper des matériaux pour construire des choses. Donc là, voilà, on se gare, on allume la lumière. Donc on va chercher le minerai qu'on était allé chercher dans la grotte. Donc où est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-là. C'est ça, voilà. Donc du distène, on va tout prendre. Ah oui, puis j'ai fait un kit de câblage exprès. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est ici que je vais devoir fabriquer l'amélioration pour le cyclope là, qui va me permettre de le recharger quand il est sur une source de chaleur, mais bon, parce que c'est dans le cyclope, il a son propre fabricateur. Donc du coup, il me faut combien de... les modules du cyclope, voilà, donc ça. Il me faut deux polyanilines. Donc ça fait 2 d'or et 6 champignons, 2 dépôts de sel. Ok. Donc 2 dépôts de sel. Ah merde. J'ai trop de distène du coup. 2 dépôts de sel. Les champignons, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là. 1, 2, 3. Je vais pas en avoir assez. Ah. Et 2 d'or, donc on va boire, on va manger, on va faire de la place, et il me manque 3 champignons. Donc voilà, du coup c'est là que les aquariums s'avèrent très pratiques. Ah, je fais n'importe quoi, voilà, hop, donc un champignon. Et on en replante un champignon. Et on en replante un. 5. Et hop, voilà, un champignon. Et on en replante un. On a 6 champignons. On est parti, on va aller faire la polyanilline. Et ensuite, on va pouvoir faire l'amélioration pour le cyclope. On voit que quand on a les matériaux, ça se débloque. Voilà, donc une et de deux. Ok, donc on sort de la base. Voilà, c'est ça la bouée, hein, Elisa, dont je parlais. C'est plutôt pratique au début, hein, vraiment. On est bien content de l'avoir, même si. Par plus s'en servir pour se déplacer sur les longues distances. Il y a toujours un moment où dans une épave ou un truc comme ça, on va devoir s'en servir pour se déplacer plus vite, donc c'est vraiment pas mal comme item. Ok, donc on a craft l'amélioration. Non, le point de vie, ça a pas l'air. Bon, alors on va aller tester la charge sur une zone de chaleur. Alors je sais qu'il y en a sur le chemin de la caméra 4. Alors, hein, c'est pas une caméra comme ça tout seul au milieu de nulle part, c'est en fait une deuxième petite base que j'ai fait, où j'ai mis une salle de scanner qui me permet du coup de pouvoir scanner pour les
les ressources, mais plus loin parce qu'il y a une portée limitée sur les salles de scanner quand même. Donc voilà, du coup on est obligé, en avançant un peu dans le jeu, d'en construire d'autres si on a envie d'aller chercher des ressources un peu plus loin, quoi. Voir une autre bestiole là. Une larve de lave, ou je sais plus exactement. Touche pas à mon sous-marin, je serai gentil. Alors on va respecter un peu, du coup, tant qu'à faire, parce que là on avait laissé passer une. Qu'est-ce que ça? D'accord, j'ai un vieux poisson mort collé. On va le jeter. Voilà. Ok, bon, maintenant ça a l'air bon. On peut y aller. Parce que oui, du coup. Faire un test pour voir si ça recharge bien les batteries avec un machin qui te bouffe les batteries en même temps, c'est pas forcément ce qu'on peut qualifier de concluant. Alors là on a passé la forêt des champignons. Normalement il y a des sources de chaleur dans ce coin là. Voilà. Ça, alors, est-ce que ça suffit? On va essayer d'aller au plus proche, hein. Quitte à... Oh! Apparemment, ça suffit, puisque... Éteindre le moteur, ça va même aller encore plus vite. Il me semble qu'on était à 23 et que ça passait à 24. Donc si ça fonctionne, c'est plutôt cool. Ça a pas l'air très rapide, hein, cela dit. Donc on va voir. Ouais, 25. Ok, ça fonctionne, mais c'est vraiment très très lent sur ces trucs là. Ok, on va essayer d'aller dans la grotte où il y a de la lave, et puis on va voir si ça fonctionne aussi bien. J'espère que ça fonctionne mieux, parce que si c'est pas plus efficace que ça, ça va pas être quand même ultra pratique. On va voir ça rapidement de toute façon. Éteindre la lumière à l'intérieur comme ça. Hop. On voit mieux l'extérieur. À 14%, donc c'est pas forcément. On aurait pu recharger des batteries à la base. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça, mais ça aurait été une bonne idée. Parce que là, il y a un risque que si on a besoin d'activer souvent le bouclier ou le sonar, bon. Le sonar, ça devrait aller, mais le bouclier, si on se fait attaquer beaucoup par les bêtes et qu'on doit l'utiliser beaucoup, il y a un risque de se retrouver en rade
là il y a une autre source de chaleur, mais on va peut-être pas. On va peut-être pas rester ici pendant 10 minutes. Ouais, ça recharge quand même pas mal, hein. Après, je pense qu'en fait, une fois qu'on sera là où il y a la lave, vu qu'on sera en continu dans une zone où il fait chaud, ça va peut-être recharger à ce rythme-là, mais du coup, assez pour qu'on ait... Voilà, si c'est à ce rythme-là en continu, sans que ça se décharge, bah du coup, on va quand même pouvoir rester dans la zone de lave autant de temps qu'on voudra. Alors, donc je mets la caméra ici hein, pour regarder en bas parce que je pense que on n'est pas loin du... Ouais bah il y a l'huile. Je me prépare parce que si jamais il veut venir. Ouais, il va venir. Allez, hop. Je balance le leurre. Voilà. Est-ce que ça a marché? Oui. Ça, on voit, il va le suivre. Très bien. Hop. On descend. Deuxième. Ah d'accord, ça affiche ici les sangsues. Ok, deuxième trou, il est en haut à droite. Donc on est parti. Hop, voilà. On répare et allez, c'est bon. On revient à l'intérieur. Et on est à 20% alors qu'on a laissé le moteur tourner, donc ouais, c'est vraiment rentable de craft ce truc. Ok. Bon. Je pense que par là... Ça doit être pas loin de la fin ou quelque chose comme ça. Enfin, je pense savoir à quoi m'attendre par là et à peut-être pas spoil la fin du jeu non plus. Voilà, donc du coup, on va faire demi-tour et on va s'arrêter ici. Voilà. Donc bah, j'espère que ce stream vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à Subnautica, parce que vraiment il est vraiment cool. Il n'y a pas de multi, c'est vrai que j'ai pas dit, mais il n'y a pas de multi, sachant que en vrai c'est pas très grave, parce qu'il y a beaucoup de choses qui en multi auraient pas pu être rendues pareilles. Je pense pas qu'on y perde au final. Donc voilà, du coup
recommande Subnautica vraiment. Si vous aimez les jeux de survie et que vous n'êtes pas évidemment thalassophobe, parce que sinon c'est un petit peu un jeu film d'horreur pour vous. Enfin voilà, donc je vous dis à la prochaine et bonne soirée. Mic off.